Ça fait combien de temps que t'es sur Facebook Halal, toi? Je sais même pas. Dis-le-moi si je t'emmerde, hein. J'ai l'impression. Ça fait à peine 2 semaines et je me demande déjà comment je vais maigrir, tu vois. Je me suis même abonné à Shahma Magazine. Ça te dit de faire du sport? On fait ça à notre rythme, hein. J'ai déjà envie de me barrer pour me taper un taco, c'est grave. J'ai mal au dos. J'ai mal aux jambes. Regarde, c'est le snack qu'on a vu sur Facebook Halal. On va enfin se faire plaisir, ma bagra. Voilà, que des trucs qu'il faut grossir ici, ça me saoule, franchement, mais c'est quoi ce truc, là? Salut, bagra, tu veux me tester? Nom d'une bagra, mais tu parles au sandwich? Comment elles vont, mes petites batatas, aujourd'hui? Imagine que vous êtes venus vous péter le kirsch. C'est ça. Combien je vous ai préparé des sandwichs spéciaux pour les taureaux. Habituellement, personne ne les termine. Je sais pas pourquoi, mais avec vous, j'ai confiance, je sais que vous allez tout finir. Ah, tu nous as pris pour qui, toi, des bagrates à l'amour et dans le pré? Oh, fais attention à ce que tu dis, cousin, hein. Toi, comme la vache folle, tu manges de l'herbe et tu fais caca. C'est bien, c'est quoi ce cassasse, là? On veut manger un casse-dalle, il nous casse la tête. Non, je vais lui mettre une tréha. Bon, qu'est-ce que je te sers, ma petite halofa? On va pas y passer la nuit, hein, j'ai pas que ça à faire, moi, hein. Je suis déprimé maintenant, je veux ton plus gros casse-dalle, ok? Pas de problème, mais fais attention à la chaise, hein, c'est cher, hein, moi j'ai acheté cher, hein. Ferme-la, c'est le blédard du Bangladesh, ramène-nous le casse-dalle maintenant. Je fais le concours de la plus grosse batata et je voulais que votre tête apparaisse là-bas, regardez. On est toujours célibataire, c'est bien. Ouais, et pour l'instant, on gonfle comme des brioches au four. Parle pas de brioche, s'il te plaît. La bagratitude, c'est à la mode. J'ai envie de lâcher une caisse, mais je me retiens. Amira, retiens-toi, s'il te plaît. La dernière fois, t'as fait un trou dans le siège. C'est un truc de malade mental. T'imagines si tu rencontres ton hlel en étant grosse? Ben, c'est ce qui va se passer à l'allure où ça va. Je suis pas prêt d'abandonner les casse-dalles, hein. Au secours! Viens là, mon hlel, mon petit caramel au chocolat. Mais lâche-moi! Ah! Ouais, c'est FBH. Ah, mon beignet à la framboise, c'est le seul qui m'abandonnera jamais. De toute façon, je m'en fous. Il faut absolument qu'on maigrisse, Samira. Non, moi je suis bien, je suis en mode bagra hloua du Kentucky, tu sais pas de quoi tu parles, t'es énervé, tu fais chier. Oh, merde! Mais Samira, toi maintenant, tu kiffes ce Khalid. Tu crois qu'il va épouser une bouteille d'orangina humaine? M'en fous, je suis pas pire que Reddo, j'ai la teinte d'une casse-dalite aiguë. Mon casse-dalle, il est où? Vous l'avez caché où, bande d'enfoirés, mon casse-dalle? Ça se fait pas, la vérité. Miskina, j'avoue. Paix à son kirsch. Voilà. Alors, mes chéris, je suis coach en beauté pour les bagras. Je suis Christina Grodular. Je suis pas grosse. Je suis simplement déguisée en nachos, merde. Arrête tes disquettes, on t'a pesé. Alors, ça vous dit un relou kirsch? Oui. Ouais. Nous sommes ce que nous mangeons, et nous mangeons des batatas. Voilà, elle a raison. Je viens d'en larguer une. Ça sent le couscous périmé, ma parole, je suis en train de péter un câble, là. Quelle est la bagra qui a lâché une caisse, là? Il est strictement interdit de péter dans mon cours. Ça sent le maïs périmé, c'est incroyable, j'ai envie de quitter la salle, là. Hey, chic, bébé, on se pêche de payer ta couscous oui, gruyère. Oui. Mais enfin, on va quand même pas vous cadenasser le cul. Marahba, c'est chez moi. Là, mon gros gâte. Je te présente Farid, mon cousin. Mais Farid, ne lui pisse pas dessus, enfin. J'ai des chiottes à la maison. Si tu veux, je te les montre. Tu vis vraiment dans une caverne, au bled, alors, toi. Ça, c'est la douche. Et je pense que tu vas devoir prendre un bain en urgence. C'est pas vrai, qu'est-ce que tu fous? Je bois de l'eau à la source. Ça, c'est des mini-saucisses certifiées AVS. Tu peux te servir, hein? Non. J'ai trouvé ça, ça a l'air bon. Mais pousse ça, c'est les crottes du chat, c'est certifié AVS. Mais t'es fou, toi! Tu vas pas manger ça, quand même! C'est qui se régale, le goinfre? Mais non, c'est ma clé USB, tu vas pas la manger, elle aussi, la pauvre.
Bon, on va regarder un petit peu la télé maintenant, hein. Ça va nous détendre, qu'est-ce que t'en penses, mon petit Algérien des cavernes? Bref, ça c'est une émission qui est connue chez nous en France. Arrête de leur pisser dessus! Mon petit Algérien des cavernes, je vais te faire découvrir un snack, tu vas péter un câble, on va se péter le bide comme des porcs. Ouais, ça schlingue là. Ça sent la bagarre, c'est vraiment bizarre. Oh non, ça c'est mon odeur naturelle, mais t'es con vraiment, hein, franchement. Je vais t'apprendre à prendre des kilos. Non, d'accord, je bien rempli, mais c'est ma petite batata préférée, ça. Bon, quel bon flan t'amènes. Bah ça va. Et toi, comment ça va, mon petit blédard du Bangladesh? Comme tu peux le constater, je suis pas venu les mains vides ce coup-là. J'ai emmené mon petit Algérien des cavernes. C'est ton nouveau halal à la béchamel? Tu l'as rencontré sur le site lesmincesprefèrentlesgrosses.com? Hein? Mais non, c'est mon cousin du bled, il est en vacances chez nous, qu'est-ce que tu racontes? Bref, moi je voulais lui faire découvrir nos spécialités, tu vois, nos snacks, tout ce qu'on aime bien manger, bref. C'est la première fois que je vois une baleine nourrir un cafard. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui te ferait plaisir, ma petite grosse? T'es vraiment un gros bâtard. Ouais, ouais. Bon, j'ai compris, je t'apporte le menu Godzilla. Ouais, puis fais vite mon petit Sonak, j'ai pris le menu Godzilla, c'est ce qu'il y a de plus gros chez lui, il nous l'a fait spécialement pour nous les batatas. Prépare ton petit kirsch. C'est quoi ce truc? Mais c'est du fromage, goûte, c'est délicieux, tu vas voir, franchement tu vas pas le regretter. Goûte, goûte. Non, j'aime pas moi. Bon ok, d'accord. Laisse-moi activer mon mode aspirateur, d'accord, tu veux bien? Non, je peux pas faire de régime comme toi, je suis pas assez fort, tu comprends pas? C'est ma chère, c'est ma vie, je mangerai des casse-dalles toute ma vie. Allez, à table, ma patate douce. Et toi, ma petite patata du futur, qu'est-ce que je te sers? Stop, c'est fini, je commence à avoir des bzazels dans le dos, je sais plus quoi en faire de cette graisse, j'arrête. À partir de maintenant, je suis au régime, Pélo. Nick Zabé, tu veux faire couler mon commerce? Va voir le docteur Einstein, c'est un spécialiste de la graisse dégueulasse qui dégouline du cul. J'ai pas confiance, son nom pue le caca. Toi aussi, tu pues le caca, tu sais. Oh, ferme ta race, wesh, toi, t'es en train de m'enfoncer. Si je voulais t'enfoncer, je t'aurais mis une patate avec mon bras gauche et je t'aurais éclaté la gueule. Je pourrais peut-être t'entraîner à condition que tu me payes ce que tu consommais mensuellement en termes de casse-dalle chez moi. Mais Nick Zub, ça fait 1 550 €. C'est bon, ferme ta gueule, 1 000 € ça suffira. Au Bangladesh, chez mes cousins, ils veulent un iPhone 6S et une paire d'Air Max. C'est ton gros cul qui va payer. Sale crevard, moi je suis prêt à payer si tu m'aides pour de ça. Tu devrais tatouer la ville de Athènes sur ton ventre car c'est la capitale de la Grèce. Nick Taras, t'arrêtes pas de la tailler, ouais. Rendez-vous demain à 5h du matin au Minguette. Ok. Ouais. Il fallait avoir des clés, oui, et de la patience pour entraîner cette bagra. Moi, je les ai eues, car au Bangladesh, je faisais de l'élevage de taureaux. Elle a vraiment bougé sa chehma. Elle a eu du courage. Grâce à ses efforts, elle chiait littéralement de la graisse, malgré que sa copine à côté n'arrêtait pas de niquer des glaces. Elle a même osé taper dans la viande de cette grosse vache. Elle lui volait toute sa nourriture. Elle a persisté. Elle avait du courage. Elle n'a pas arrêté. Sa copine, la grosse derrière, elle mange toujours. Et un jour, ça paye. Ça paye. J'ai maigri!